Vous avez regardé, non, Valérie Ndongo Comedy Club. Ça veut dire que vous connaissez, non? D'accord. Oh non, samedi comme ça, c'est le bouillon de samedi matin, c'est Terre qui commence avec un géant de l'humour au Cameroun. Il va se présenter, lui me passe. Il a au moins 10 cas de visite. Valérie Ndongo, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour aux internautes. Surtout bonjour à ceux qui sont sur la page de Doudou Non Glacé. Parce que moi, je compte seulement l'argent que sa page génère. Moi, je ne vois pas les abonnés ni les vues. Et quand je vois le nombre d'argent qu'il y a là-bas, Aïe. Ça, c'est bon. Comment tu vas, mon frère? Non, je vais très bien. Hey, tu as pris du poids ou l'argent ça, entre? Non, c'est le mariage. Ouais. Depuis que je suis marié, depuis 7 ans que je suis marié, moi, j'ai remarqué que c'est net là que le poids a commencé. Aïe, ya. C'est exactement à ce moment-là. Donc la dame te pompe seulement. Ou bien c'est une technique pour te bloquer. Ouais. C'est-à-dire qu'elle sait que quand tu vas sur le point, genre, les petits de dehors veulent les abdos. Du coup, ça te bloque. Ouais. Et donc, c'est au travail là qu'elle fait sur moi. D'accord. Mm-hmm. Alors, Valérie Ndongo, nous sommes très fiers de t'avoir ici aujourd'hui parce que toi, tu es un professeur dans ce que nous faisons, l'humour. Quand on parle de l'humour au Cameroun, après les. Comment Esseli Mendia, j'ai vu que tu as mis des photos là. Pourquoi avoir choisi ces figures-là? Alors, j'ai choisi quelques-unes des figures représentatives de l'humour africain. Ouais. C'est pas seulement une affaire du Cameroun. Ouais. Parce que quand tu prends le doyen Daniel Ndo, ouais. C'est vraiment une figure de proue dans l'humour en Afrique. Tu ouais. prends Kokam Narcisse, ouais. tu prends Esseli Mendia, ouais. tu prends Jean-Michel Cancan, ouais. et tu ajoutes Michel Gohou. Ouais. Donc, c'est les 5 personnes que j'ai choisi, évidemment, avec moi aussi, Valérie Ndongo, ouais. parce que je suis, heureusement pour moi, le pionnier du stand-up en Afrique depuis les années 2000. Donc, c'est vraiment. Donc, j'ai choisi ces 6 figures pour représenter un peu l'histoire de l'humour en Afrique, l'humour ouais. francophone. Ouais. Et je me suis dit, c'est s'il y a bien des gens qui méritent d'être au Panthéon, c'est vraiment ces personnes-là que je dis, voilà quoi. Et tout le monde, la plupart des gens qui passent là, tout le monde reconnaît facilement Cancan, évidemment. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Cancan et tout, et Cancan et Cindy, et Daniel Ndo, un peu, ouais. et Gohou. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment... Avec sa fameuse gifle. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai t'engager. Tenu, je vais t'engager. J'ai tenu à mettre ce portrait-là qui représente vraiment ce qu'il est, ce qu'il fait. D'accord. Alors, vous qui n'avez pas vu vos photos là, les gars, continuez à travailler. C'est chaud, c'est serré. Non, il y en aura encore plus. Il y aura plus de photos oh ouais. à l'intérieur. Ouais, ouais. J'ai fait une sélection d'une 20aine de portraits ouais. qui représentent les anciens et la nouvelle génération. D'accord. Voilà, mais sur le mur, on va dire sur le Panthéon, ouais. j'ai mis les anciens. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, gars, tu commences cette affaire même en quelle année? Tu avais quel âge? Ouh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Moi, n'oublie pas que quand tu dis que ça fait longtemps, donc tu savoir que tu es vieux. Je suis vieux. Voilà. Moi-même, je confirme. J'ai fêté 42 ans il y a un an. Voilà. Parce que j'ai 43 ans le 3 janvier prochain. D'accord. Donc, dans quelques semaines là. Ouais. Donc vraiment, quand je dis ça fait longtemps. Ouais. Voilà que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai commencé en 98 pour être précis dans les dates. Ouais, ouais. Par l'audition au centre d'apprentissage théâtral de Yaoundé qui a été créé par Daniel Ndo. À l'époque. Centre d'audition. Non, l'audition pour entrer oui. au centre d'apprentissage théâtre de Yaoundé. D'accord. Et le président du jury ouais. de l'audition s'appelait Cindy Minja. Ouais. Parmi les membres, il y avait Daniel Ndo lui-même, il y avait Grégoire Belibi, il y avait Evina Ngana et il y avait deux autres personnes dont j'ai oublié les noms. C'était ouais. plus le côté cinéma ouais. et tout. Et j'étais sorti majeur de cette audition-là. Bon, j'ai passé, je crois, 2 mois dans cette école-là ouais. parce que j'avais un peu tchakala avec mon père. Mais après, on a arrangé le problème, on a continué en famille. Ouais. Et après, j'ai commencé à bosser vraiment avec Cindy
en 2000. Ouais. Parce que je l'ai retrouvé en 99, fin 99, on a commencé à bosser en 2000 et pendant les 5 dernières années de sa vie, ouais, j'ai eu la chance de côtoyer Sidi vraiment de près, ouais, et de bosser avec lui jusqu'à ce qu'on aille en France pendant sa dernière mise en scène, la guerre du fer. Ouais. Et j'étais de la délégation, mais quand son corps est revenu au Cameroun, j'étais encore en France parce qu'on était encore en train de jouer. Ouais. Et voilà, donc ça c'est un peu l'histoire. Ensuite, j'ai quand même fait pas mal de théâtre. Ouais. J'ai fait du théâtre avec France Ndombok, paix à son âme. C'est vraiment elle qui me met le pied à l'étrier à travers le conte. Ouais. Le conte, c'est la première pièce que je joue. C'est le conte qui s'appelait Le Noyau. Ouais. C'était d'abord pourquoi tout ça. Là, c'est devenu Le Noyau. On est en 2000. Voilà, et tu fais quelle classe? En 2000, non, moi j'ai arrêté l'école en 96. Propre. 96, c'est bon. Oh ouais. 96. Bon, je vous passe les détails familiaux, des problèmes. Voilà. Que tu fais quoi, le théâtre, tu vas arrêter ta vie, tu es un voyou, tu veux la facilité. Ouais, ouais. Tu vas apprendre le banditisme à tes frères et sœurs. Et surtout que je suis l'aîné, le premier petit-fils de toute la grande famille. Oui. Et la grande famille, elle n'est pas petite, elle est vraiment grande. Donc, c'était très compliqué. Et c'est toi qui commence ces choses-là. Et c'est toi qui montes le chemin du NEM à tout le monde. Oui, oui. Donc, voilà, c'était très compliqué. Oui. Pendant, j'ai passé peut-être 3-4 ans, je ne voyais personne de ma famille, ni ma mère. Enfin, personne de ma famille directe, je vivais chez des cousins. Oui. Et tout, bah, c'était compliqué. C'était compliqué. Et ma formation, en général, je l'ai faite en grande partie en autodidacte, ouais, en profitant de beaucoup d'ateliers à l'époque. Le Centre culturel français faisait beaucoup d'ateliers. Ouais, ouais. Il y avait, chaque année, il y avait une, deux fois, un metteur en scène qu'il faisait venir, avec qui on travaillait et tout et tout. Et j'ai bossé avec France Ndombok, j'ai bossé avec Yesenia Minja dans, ouais, 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 dans la première pièce, L'argent de ma fille, là, on est en 2001. Ensuite, j'ai bossé avec un metteur en scène allemand, on a fait du théâtre de rue, ça c'est en 2006 déjà. J'ai bossé avec, j'ai fait ma première mise en scène théâtrale avec la pièce Le Saint-Esprit de Séverin Cécile Abega, ouais, père à son âme aussi. Et ensuite, j'ai fait La Guerre du Fer de Sidi Minja. Et j'ai fait deux, trois autres pièces de théâtre avec d'autres metteurs en scène camerounais. Et je me suis concentré à l'humour à partir de 2006, on va dire ça. Ouais. Mais j'ai commencé à faire l'humour en 2001. Et j'ai fait mon premier one-man show en 2003. Le 5 janvier 2003, au CCF de Yaoundé à l'époque. Ouais. Et je m'en souviens, vu que mon anniversaire c'est le 3 janvier, donc je me suis dit, je ne peux pas oublier la date. Oh ouais. Deux jours après, j'ai fait mon premier one-man show. Dans la salle, il y avait moins de 20 personnes dans la salle. Ouais. Et sur les moins de 20 personnes, la moitié c'était ma famille. Oh ouais. Et l'autre les amis et tout. Et, mais après, c'est devenu une histoire de où bah, il n'y a plus de place. D'accord. Quand la carrière évolue et tout, machin. Et là, tu fais la rencontre de Major, c'est... Major, je fais sa rencontre en 2001. Ouais. Il est en seconde au lycée d'un Colbison. Ouais. Parce que je suis membre de la ronde des poètes. C'est intéressant parce que c'est dans la ronde des poètes que j'ai commencé à faire le stand-up. Ouais. C'est-à-dire j'ai commencé par déclamer des poèmes. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à transformer ces poèmes en sketch. Et c'est Jean-Claude Aouno, président de la ronde des poètes, qui me dit en 2002 que, bah, écoute, prépare-nous un sketch pour la nouvelle rentrée littéraire. Moi, je wonder que quel sketch. Moi, il sait que je fais des déclamations. Ouais. Donc, c'est lui qui me dit, en fait, depuis un an, tu nous fais des sketchs à chaque... cocktail littéraire et tout, donc c'est vraiment en 2002 que je commence à faire des sketchs avec une conscience sketch, humour, ouais, divertissement et tout, mais dès 2001 je suis le premier professeur de théâtre de la ronde de poètes et Jean-Claude Aouno m'amène au lycée de Colbison, ouais, et mes deux meilleurs élèves c'était Major Assé et comment il s'appelle l'autre là, il était parti en France. Donc Major Assé était ton élève? Oui en 2001 c'est ouais. C'était donc, on va dire, son premier professeur de théâtre, après ouais, on a travaillé. Un an après, je vois que le petit est bon. Ouais. Le petit est bon, moi je l'encourage à... Il a eu son bac, il va aller en Guayaquil. J'ai dit que oui, c'est bien, mais ouais, c'est ça qui va te faire gagner ta vie. Ouais, ouais. Et après, on travaille. Et c'est en 2009 qu'on lance le Stand Up Night Show avec ouais, Walker Fogon, de Regretter Mémoire. Ouais. Et c'était quoi les montants de vos entrées là? 10 025 francs. Non, c'était 10 125. 125 francs. Bon, l'histoire de ce truc est intéressante. Oh ouais. On trouvait ça en 2010. Ouais. Oui, 2010. J'habitais à Efulan Lac. Derrière, ouais, chez Ababa. Il était encore Ababa. Oui, oui. Donc,
quand il chopait, on humait l'odeur de sa chop derrière là. Ouais. J'habitais là. Et donc, on était à quelques mois du stand-up night show. Ouais. On était au bar, en train de boire, Major et moi. Ouais. Et deux potes, on boit. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut même faire pour le prochain spectacle? On peut mettre le titre comment? On peut mettre le prix comment et tout? Et on hésitait sur le prix. Ouais. On hésitait à passer à 5 000 et 10 000. Juste avant, on était encore à 2 000 et on était à 3 000 et 5 000. Ouais. Et on hésitait. Est-ce qu'on monte à 5 000, 10 000, c'est quand même beaucoup. Et ces gens vont venir. Et ces gens vont venir, on est quand même en 2010. Donc faire un spectacle, tu mets 5 000, 10 000. Parce que au Cameroun, même quand tu mets 2 000, tu es obligé de mettre avec conso. Avec conso. Je te jure. Oui. Donc on est au bar, on boit. Après, je dis, aga, on va mettre 125. Major boit encore comme ça, me dit, Mbaondo, tu as raison. Oui. On va mettre 125. Et c'est comme ça qu'on décide qu'on va mettre 5125 et 10125 en précisant bien vouloir prévoir la monnaie. Oui. Et c'est un truc qui a ça marché. A pris. C'était impressionnant. Oui. Les gens venaient avec leur monnaie. On se retrouvait avec les sauts de pièces comme ça là. Si c'était maintenant là, j'allais vendre les pièces là. Parce que maintenant que la monnaie est rare au Cameroun, oui. J'allais vendre les pièces là aux gens. Oh ouais. Donc c'est vraiment comme ça quoi, c'est parti d'un délit, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que le montant de 5 000 et 10 000 est passé. Ouais. Les gens payaient 5 000 et payaient 10 000. Et c'était toujours plein. C'était toujours plein, c'était vraiment... Il y avait des moments où vous faisiez deux spectacles, c'est-à-dire que les gens c'est plein et puis vous le programmez. On a eu ça à l'Institut français de Yaoundé et de Douala. Ouais. Et c'est le public qui nous a dit mais la salle est trop petite, allez au Palais des Congrès, allez à Douala Bercy. Ouais. On a commencé à faire le Palais des Congrès et Douala Bercy. Ouais. Voilà. Donc c'était comme ça, c'était bien. Et actuellement, Valérie Ndongo est dans plein de projets, on te voit surtout avec les gens de Canal+. Comment ça se fait? C'est quand même là-bas qu'il y a l'argent, il y a la Warab là-bas. Oui, en dehors de ça, mais pour que Canal Plus accepte de soutenir quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de constant derrière. Oui, alors je pense qu'il faut préciser les choses. Ouais. Dans la carrière qu'on fait, toi et moi, la carrière qu'on fait, il faut avoir une vision. Il faut savoir ce que tu veux, ouais. Il faut savoir jusqu'où tu veux aller, et il faut savoir combien de temps tu veux rester dans le game. Moi, j'ai prévu rester à peu près 50 ans. Oui. À peu près. Donc, techniquement, si Dieu me prête vie, je vais rester plus de 50 ans. Ouais. Donc, quand tu as l'objectif de faire de ça un métier et non juste un hobby et non juste un moyen de se faire de l'argent ou bien d'être connu, ouais. Mais quand tu décides que tu en fais un métier, c'est ta profession, tu te lèves le matin comme un gars qui va à l'hôpital, un médecin va soigner les gens. Donc, déjà, tu passes par pas mal de formations. Ouais. Ça peut être autodidacte. Ça peut être académique, c'est-à-dire un conservatoire ou ce que tu veux. Ça peut être à Yaoundé 1 ou à toutes les écoles de Beaux-Arts qui au Cameroun. Mais bref, tu passes par un processus de formation et tu te mets un objectif. Ouais. Et c'est par rapport à ça que tu avances. Aujourd'hui, je suis à la fois animateur télé. Je fais ma première série qui va passer bientôt sur Canal+. Et je continue à faire du stand-up. Et là, je prépare la deuxième série. Et je prépare également un film. Parce que ma première passion, c'était le cinéma en fait. Ouais. En 96, quand j'abandonne l'école, c'est pour faire le cinéma. Donc je me retrouve en fait dans l'humour et le théâtre par accident. Ouais. Moi, je voulais faire les films, ma chose. Oh ouais. Parce que j'ai passé ma vie au ciné-club et je voyais tous les gars, Denzel Washington, machin, je voulais faire comme ils font là. Yala. Maintenant, on va dire 27 ans plus tard, c'est maintenant que je commence vraiment à faire le cinéma et tout. Mais tout ça, c'est une question de vision et c'est une question de prospection sur l'avenir. Endurance, persévérance et travail. Ouais. Et on te voit aussi dans Burger Quiz. Burger Quiz, ça c'est mon côté animateur télé où j'ai fait Burger Quiz et puis on va dire aussi le Fort Boyard. Qui avait été vraiment une très belle aventure. Ouais. Qui a été stoppée malheureusement par Corona parce qu'on devait faire la saison 2 l'année où Corona, le tout puissant Corona, a débarqué. Corona. Ouais. Donc ça a été mis de côté malheureusement. Et le Burger Quiz, je suis animateur. J'ai fait également animateur pour le Canal Tour. Ouais. Qu'on avait fait à Bessengue avec 5000 personnes. C'était impressionnant. C'était très beau. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de vision. Donc, en fait, un comédien doit pouvoir jouer toutes ces palettes de personnages-là. Ouais. Animateur télé, acteur de cinéma, humoriste. Et aujourd'hui, le stand-up est, on va dire, la pépinière qui fournit le plus grand nombre d'acteurs et d'actrices au cinéma, que ce soit en Afrique, en Europe et encore plus aux États-Unis d'Amérique. La plupart font le stand-up parce que le stand-up
t'oblige à faire un travail sur ta personnalité. Ouais, c'est obligé. Ouais. Parce que tu dois être sincère. Quand tu viens devant les gens raconter des blagues, raconter des histoires, ça doit faire rire, mais ça doit toucher les gens. Ouais. Et c'est en ça que la sincérité est obligatoire. Quand tu commences par le bluff, ça ne va pas aller loin. Tu peux avoir un gros succès, mais ça ne va pas aller loin. Et ouais. Quand tu commences par un succès qui te surprend, ouais. Parce que beaucoup de stars, beaucoup d'artistes ont eu des succès qui les ont surpris. Dans la plupart du temps, après c'est l'ondem ou alors ils essayent de recréer, mais ils n'ont plus le temps de s'asseoir, de travailler. Ouais. Et ça, c'est un phénomène qui a aussi beaucoup chez nous. Les gens deviennent d'abord stars. Ouais. C'est-à-dire que le gars est d'abord star. Et après avoir été star, maintenant, il cherche comment faire le métier. Mais sauf que là, il n'a plus le temps. Bien sûr. Le gars veut seulement parler à Jean, il veut. Il n'a plus le temps. Ouais, et même quand tu lui parles, le gars, on a que mais le grand. C'est tu me parles. Moi, il chope les dos. Moi, il vient de signer avec Orange, avec Brasserie, avec tel. Moi, j'ai les contrats. Oh, ouais. Tu me parles de quoi? Ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Moi, je n'aime pas le temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas t'écouter, qui ne veulent pas s'asseoir pour répéter. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui m'ont approché. Grand, on fait comment? J'ai dit, bon, passe aux répétitions tel jour. Il n'est pas venu. Ouais. Ces deux sont venus une fois. Ouais. Quand ils ont vu la qualité du boulot, ils ont dit. Parce qu'on ça va nous perdre un temps. Petit sketch de 5 minutes, on peut le travailler 4-5 fois de temps. Oui. Et les gars n'ont pas le temps. Le gars, lui, voit que c'est le temps que tu perds. Il peut faire son TikTok. Rapidement. Il peut faire sa petite vidéo, il met en ligne. On le connaît au quartier. Et puis c'est bon. Après, c'est magnifique. Ouais. Parce qu'il y a des très bons TikTokers qui font des trucs de malades. Mais sauf que ceux qui font bien sur TikTok, Facebook et YouTube, c'est justement ceux qui travaillent. Ouais. C'est ceux qui s'arrêtent pour travailler. C'est ceux qui prennent le temps d'écrire leur concept, de penser leur concept et de le mettre en image et de le diffuser. C'est ceux-là qui marchent. Voilà. Bon, aujourd'hui, donc, tu as ton nouveau bébé, Valérine, donc au Comedy Club. C'est un vieux bébé. C'est un vieux. C'est très vieux même. Oui. C'est juste aujourd'hui, j'ai enfin un lieu physique à moi. D'accord. Le Valérine de Comedy Club existe depuis 2009-2010. Ouais. C'est un très vieux concept. Mais enfin, j'ai un lieu, parce qu'on a travaillé dans d'autres lieux où on était en convention, en partenariat. Mais c'est toujours compliqué parce que celui qui te laisse son lieu, lui, il a ses priorités pour son lieu qui ne sont pas forcément tes priorités à toi. Exactement. Et du coup, le fait d'avoir notre lieu, j'ai dit mon, c'est exagéré, mais je vais dire notre lieu, ça permet qu'on fasse ce qu'on veut. Ah. C'est un lieu dédié au stand-up. Alors, et la programmation, moi j'anticipe les questions. Hein. Moi j'ai un intelligent de l'autre. Je sais ce que tu m'as demandé. du coup, j'anticipe alors. Voilà, donc ce qu'on va faire quand le volet spectacle sera ouvert. Ouais. Et le spectacle commence le 31 décembre 2022. 31 décembre 2022. À quelle heure? À partir de 22h, c'est l'heure du spectacle. Oui. Mais avant, il y aura déjà un piano bar, il y aura la dégustation et tout. On va faire, ça s'appelle Saint-Sylvestre en stand-up. Ouais. Donc on va passer une nuit en stand-up et on va mettre un prix pour que un prix forfaitaire pour que tu aies droit à la boisson et à la nourriture parce qu'il y a un bar-restaurant au Comedy Club. Et ensuite, on lance le spectacle qui s'achève. On va calculer qu'il s'achève une minute avant minuit pour qu'on fasse ensemble le décompte jusqu'à minuit une et on est en 2023. Calmement. Et après, Ndoka. Bon, là, on est situé dans quel quartier dans Yaoundé comme ça? Là, on est Tomeki. Oui. Anyi et Tuameki. Oui. Donc, ici, c'est l'une des entrées de l'Université protestante d'Afrique centrale. Oui. On a juste devant, là, on a le centre des impôts de Tomeki. Oui. Donc, à partir du centre des impôts de Tomeki, vous allez voir la plaque. Il y a une plaque Valérie de Comedy Club avec la flèche. Et là, on est vraiment à 5 mètres. Ça, c'est en face du foyer Banjoun, ça? En face de l'entrée du foyer Banjoun. En face de l'entrée? Oui, parce que le foyer Banjoun est plus bas. Oui, en face de l'entrée du foyer Banjoun. D'accord. Il y a le centre des impôts. Oui. Et juste à côté du centre des impôts, il y a donc l'entrée du Valérine de Comedy Club. Oui. Et il y a une plaque. Donc c'est très visible, c'est vraiment remarquable par tous. De jour comme de nuit, parce que le truc est illuminé. Ça veut dire que le tout, si alors tu ne bouges plus, c'est là. C'est là, là, là. Et qui peut passer là? Alors, je donne le programme, il est très simple. Ouais. Mardi, mercredi, jeudi, on est en répétition. Oui. Répétition ouverte. Et c'est vrai, il y a l'espace bar qui est séparé du théâtre, mais on autorise les gens à entrer voir la répétition et tout ça. Donc, on a 3 jours de répétition. C'est pendant ces 3 jours-là qu'on sélectionne les gens qui vont jouer vendredi et samedi.
Celui qui les répète pendant ces 3 jours-là ne joue pas. Alors Valérie, est-ce que ce n'est pas un moyen pour toi aussi de former les jeunes? Mais l'Académie panafricaine du stand-up que je dirige depuis 2009, c'est la première structure que je mets en place en fait. Qui existe depuis 2009. Ouais. Et effectivement, le fait d'avoir ce lieu physique-là, on rend la formation, on va dire, plus fluide. Non, on la transforme en formation continue. Ouais. Parce que d'habitude, on fait des formations avant le festival, avant le Canada Comedy Club, ouais, avant des événements. Maintenant, ça va être en continu toute l'année. Ouais. Voilà. Et il y aura évidemment des guest stars que je vais inviter, bien sûr. Qui viendront prester ici tous mes bons petits, ouais, qui sont mes bons petits et qui me respectent comme tel, le Takam, Moustique, bon, Diana est partie chez les Blancs. Oui, il y a même des gars viendront de d'autres pays. Il y a une petite d'autres pays, mais ça, ouais, c'est. Là, je compte d'abord les gars du Moa. Oh, bien sûr. Mais en Afrique, on est vieux, hein. C'est pas les gars, donc, quand même. Voilà. Ouais, il y a des vieux. Et tout cela donne beaucoup d'argent. Tu l'as vécu alors? Je savais qu'on allait arriver sur l'argent. Vraiment, je ne sais pas si j'ai la voiture. Parce que ça, c'est quand quelqu'un me pose 10 pareilles conneries en 2022. Ça, on appelle ça chercher le buzz. Oh oui. Parce que c'est pas, on n'est pas au niveau des voitures. Voilà. On est sur d'autres choses. Quoi. Vraiment, vous êtes au niveau des idées. On est loin. On est sur des concepts, des projets. Ouais. Tout. On est loin. Ça, c'est, ouais, quand quelqu'un vient là, c'est qu'il a reçu un coup qui a fait mal. Elle essaye de faire un coup bas. Ouais. Tu vois, elle est coup bas, ne passe pas. Moi, je suis déjà au sol. Quand quelqu'un est au sol, je veux lui faire tomber. Même pas. Je suis déjà au sol. Tu me blagues même, je creuse, j'entre sous terre. Mais c'est pas comme l'argent pour s'acheter une voiture qui peut dépasser l'homme. Non, j'ai dit, on n'est pas en problème de voiture. Oh, ça, ouais, c'est pour les gens qui ont les problèmes compliqués. Voilà. La voiture, c'est un moyen. Tu peux pas. Tu peux pas fonctionner. Je vais dire, obligé, tu vois, pas ton machin, tout ça là. Ouais. Et puis même. Parfois, la voiture, c'est un problème. Oui. Moi, je dis ça. Moi, quand je prends la douane, moi, je prends la moto. Ouais. Parce que les bouchons qu'il y a pour te mouvoir à quoi. Non, c'est compliqué. Machin, ouais, boum, laisse la voiture là, prends la moto. Ouais. Sinon, tu ne seras à l'heure à aucun rendez-vous. Ouais. Même ici à Angola. C'est seulement qu'à Angola, on a vissé les motos dans tout le centre-ville. Là. Oui, mais quand même, à partir de 15h30, là, c'est compliqué. Les gars, lance. Tu vois, ouais, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Aujourd'hui, ce matin, je devais aller à Kounou. Le matin, je devais aller à 7h30 avec nous. Ouais. Gars, j'ai pris la moto. Tu vois pas t'emmerder à prendre le. Tout le monde sort, les élèves, les braqueurs sortent, les futurs éperviers qui vont aller en prison. Ouais. Tout le monde sort en voiture. Ouais. Prends la moto, si tu veux aller quelque part. Bon, Valérie, on est déjà vers la fin de nos entretiens. Mm-hmm. Lorsque on sait que toi, tu es de la vieille école, quel regard jettes-tu sur la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a quand même des éléments là qui te donnent l'impression de que. En fait, qui te font croire que demain est assuré? Alors, moi, je suis de la vieille école et de la nouvelle parce que il faut, moi, j'essaie de me réinventer. Ouais. Parce que pour rester 50 ans dans le game, il faut te réinventer tout le temps. Sinon, tu seras vite has-been. Honnêtement, quand je regarde la nouvelle génération, honnêtement, je suis extrêmement fier. D'accord. Je suis extrêmement content parce que aujourd'hui, on peut citer des noms qui vont remplir les mains. Ouais. On peut citer Takam, Moustique, Djanama, Excalibur, Les Rigolas, Tic Dengue, qui d'autre encore? Ne commence pas à chercher les noms. Et nous, on est engraissé. Non, tu es encore là, non? Moi, je suis un ancien. Tu es encore là. Oui. Bon, tu es encore là. Comment ça s'appelle? Oga, le Petiti. Il est encore là, lui. Oui, il est là, oui. Bon, Kaiser, essaye encore là. Il est là. Fingola, ah, vas-y. Fingola, Blackoya, je veux dire, on cite, oui, on oui, cite, et quand tu vas sur la toile, dans la, on va dire sur la toile, oui, normalement c'est dedans. Oui. Mais quand tu es, mon frère, c'est la moto de quoi non? Laisse-moi. Quand tu vas sur le net, oui, tu vois, il y a des propositions tous les jours. Oui, 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 oui. Il y a l'incroyable Monsieur Chantal. Oui, oui, oui. Lui, oui. C'est incroyable, petit là. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que ce petit, je l'ai eu à un de mes castings il y a 2 ans. Oui. Tu vois, et. Tu l'as viré. Il n'a pas passé. Parce qu'il faisait un sketch, il parlait. Oui. Mais c'est pas son style. Voilà. De faire du stand-up, parler. Le petit est rentré sa chose. Que comme le grand, s'il m'a viré comme aujourd'hui, ça, il cherche notre couloir. Moi et là, même, il est imbattable. Moi-même, je l'appelle, je dis mon petit, respect. Oui, oui. Moi, je dis au petit, respect. Oui, oui. Parce que les gens pensent que.
échouer un casting, c'est un échec. Non. Voilà. C'est juste que ce n'était pas ton style. Voilà. Mais pour moi, Monsieur Chantal, c'est une révélation plus plus. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est même plus une révélation. C'est une confirmation plus ouais. plus d'un talent dans un style que le gars a trouvé et il perce sur ça. Donc, je suis optimiste à 4000%. Voilà. Le style monte. Et les gens font des spectacles partout. Quoi. Takami, il n'arrête pas de jouer. Ouais. Mystique n'arrête pas de jouer. Et puis les gars, aujourd'hui, on signe des contrats. On a des Prop. Contrats. Ouais. Les footballeurs, même, on fait les contrats avec eux. Prop. Il y a quoi? On met à Boubacar, là, on met en stand-up, là, on nous filme, ça passe. Calmement. C'est tout blague, on me sort le mail, là. Alors, un petit mot de fin, n'est-ce pas, en ce qui concerne Valérie Ndongo Comedy Club. Alors, le mot de fin, c'est que c'est votre nouveau lieu de divertissement spécialisé sur le stand-up, sur l'humour à Yaoundé, un lieu physique qui est situé à Itomaki. Si quelqu'un veut me voir, c'est là. Celui qui veut me piéger, tu vas me piéger, c'est là. Celui qui veut me guider même les dos, c'est aussi là. Donc venez, on va jouer le jeu. Et il y aura le dimanche. Le dimanche, c'est, ça sera le open mic. Ouais. C'est-à-dire que celui qui s'ennuie chez lui, qui veut tenter un sketch et tout, viens. Voilà. Viens tenter un sketch. Parfois, on découvre des très belles choses ouais. avec les gens qui viennent en open mic comme ça, laisser un truc et tout ça. Après, il y a des concepts comme les matchs d'improvisation qu'on va commencer d'ici février-mars 2023. Voilà. Alors, si les gens de Douala commencent à s'énerver, que pourquoi seulement Yaoundé? Parce que les gars sont jaloux. Hein? Oui, oui, oui. Le projet, c'est d'en faire deux. Mais ça, il faut trop d'argent. Ouais, et beaucoup d'énergie. Mais en même temps, il faut commencer dans un endroit. Ouais, on choisit d'abord Yaoundé. On commence Yaoundé parce que Yaoundé, c'est chez moi. Et en plus, le loyer de Yaoundé n'est pas comme pour Douala. Hein. Ah. Là où tu payes 50 000 à Yaoundé, à Douala, il multiplie par 4. Mesdames, ah. messieurs, c'était Terrateur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain. Même on a eu le privilège de recevoir aujourd'hui un géant, c'était Valérie Ndongo. Yes.